je travaillais sur le livrable, 1.1 de passagers. Donc là, on fait l'analyse des concurrents. On finit l'analyse de Jive en suivant la grille d'analyse qu'on avait définie la semaine dernière. Je fais la présentation générale du produit. Pour Office 365, la grille d'analyse était déjà terminée. J'ai fait l'analyse personnelle du produit. C'est un peu comme une SWOT, mais en texte. Les points négatifs, les points positifs. Et une partie de l'analyse a été relue, donc on a modifié des choses par rapport à la lecture. Et pour Google Apps, encore présentation générale des produits, il y a même chose à l'analyse. Thank you.